c'est Alex, donc j'espère que vous allez bien. Moi, comme vous le voyez, je sais pas où je suis. J'étais sur le périph' il y a encore 5 minutes. Non, il fait super beau et aujourd'hui, j'ai un sac à dos comme vous le voyez. Je vais pas à l'école, on va faire quelque chose que j'aime bien. On va aller braquer une banque, c'est ce que je fais souvent. Non, non, on va aller, vous allez m'accompagner, je vais vous montrer quelque chose que j'aime bien faire. Là, je suis essoufflé alors que normalement ça devrait pas être le cas. Je sais pas si on m'entend bien. Là, je vois mon retour. Ouais, je vois ma tête. Il y a du vent. Je sais pas ce que ça donne. Je fume avec mon téléphone et vous allez venir avec moi. Je vais vous montrer quelque chose que je fais souvent, que j'aime bien. Je peux le faire que quand il fait beau. Et aujourd'hui, il fait beau, mais il y a du vent. Ça se voit un peu au bike. Ouais, j'ai atteint les 600 000. Abonnés sur YouTube, donc certains se disent ouais, il doit aller dans des galas, dans des salons, il signe des autographes. Et ben non, c'est quelque chose que je fais depuis longtemps, à savoir prendre mon sac à dos. Déjà, je le faisais sur Paris avec mon manga dedans. Enfin, sur Paris, je prenais 1 ou 2 euros et je m'achetais. Je pense pas qu'on va m'entendre. Je m'achetais une canette et je me posais avec mon manga, je le lisais. Je me pose sur un rocher ou sur une plage quand il n'y a personne et je lis mon manga. Voilà mon histoire. C'est palpitant, n'est-ce pas? Bon, bah, je suis désolé pour ma peau pourrie aussi. C'est vrai qu'en ce moment, j'ai pas trop de chance entre les enterrements et tous les trucs comme ça. La nuit, je dors plus en fait. La nuit, je dors plus. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, pas de blague sur ma peau pourrie et tout le reste. Et mon chapeau? Regardez-moi ça. Oh punaise, je tremble à fond. Si je mets la main comme ça. Ouais, et en fait là où nous sommes, c'est mieux comme ça, là où nous sommes, on est entre Préfaille et là-bas tout au loin c'est Pornic, mais je suis pas sûr qu'on le voit bien. Et là il y a des plages tranquilles, je vais souvent ici en fait, donc si vous voyez un mec avec un chapeau sur un rocher, c'est moi. En train de lire, ça doit bouger dans tous les sens parce que je marche avec. Et en fait là-bas on va arriver à un endroit bizarre. La première fois que je suis arrivé ici, c'était l'année dernière, j'étais en vélo là comme ça. Ouais, là je suis avec mes chaussures, là j'étais en vélo et je roulais et j'arrive sur une plage et là t'avais un mec avec le zizi à l'air. Je fais ok. Deux mecs avec le zizi à l'air. Et après t'avais une plage et t'avais un troupeau de zizi en fait. C'est une plage de nudistes. Donc voilà, on va passer à côté. Bon, je vais peut-être pas filmer. Et en fait t'as les nudistes et t'as les autres en fait. Les autres, c'est ceux qui ont un zizi mais qui sont un peu pervers. Et qui te suivent. Des fois moi ça m'est arrivé, ils me suivent. Et ils sont là comme ça, zizi, zizi. C'est les zizi chaleurs. Bon, j'ai dû couper, il y avait trop de vent et le vent s'est relevé. On a passé la plage des nudistes et je vous parlais. Oh, il y a trop de vent. Ouais, je vous parlais des pervers zizi ou je sais plus, zizi en chaleur. Ouais, des fois c'est vrai, ils te suivent et ils essayent de savoir si t'es un autre zizi en chaleur. Bon, juste, je vais couper parce qu'il y a trop de vent. On va aller sur la plage qui est là. Là-bas, c'est la Bernerie, les Moutiers. Bon, je me suis posé à un endroit où il y a moins de vent, toujours, avec la vue de la mer un peu partout. D'habitude, je vais sur les rochers qui sont là-bas, mais vu qu'on est en plein vent, c'était une mauvaise idée. Et là, la mer, elle devrait monter dans 2 heures. Elle sera un peu plus haute. Je vous prends des photos à chaque fois. On peut le voir au drapeau, regardez. Il y a beaucoup de vent. Et qu'est-ce que je lis à la plage? Je lis Gantz. Très bon manga que j'ai déjà lu de nombreuses fois. Qui est vraiment excellent. En fait, je suis pas à l'aise parce que j'ai peur. Dégage le moucheron. J'ai peur qu'il y ait des gens qui arrivent et qui m'entendent parler. Bah voilà, il y a un mec sur le rocher là-haut. Qui est en train de me regarder et il doit se dire est-ce que c'est un zizi pervers ou pas. Mais non, je suis pas un zizi pervers moi. Il est parti.
Ça se trouve, il va venir derrière, vous allez voir une tête ici. Mais bon, c'est pas grave. J'ai ma petite bouteille d'eau également. Et d'habitude, je prends une petite Red Bull, mais bon, là, j'ai pas eu le temps d'en prendre une. Bon, bah, je crois que c'est tout. Je vous retrouverai après. Je prendrai des petites photos pour vous montrer à quoi ça ressemble quand même. Et il y a plein de petits lieux secrets comme ça que je vous montrerai ou pas. Je garderai secret. Je suis reparti après une heure à la plage, il y a mon téléphone qui sonne, je me fais harceler. Non, en fait, une personne m'a appelé et m'a proposé de venir boire une Red Bull. Donc c'est pour ça, après une heure de plage, et bah je voulais ma Red Bull, donc je vous emmène avec moi, on va continuer. Je pensais juste vous faire la plage. Et donc du coup, je vous emmène avec moi dans ma poche, on est reparti. Toujours aussi beau, la mer est remontée, monte doucement. Comme je vous avais dit, 2 heures pour qu'elle monte, c'est précis. Bon bah je vais décrocher parce que c'est peut-être la personne qui me dit non, en fait il n'y a plus de Red Bull. Donc si c'est le cas, moi je retourne à la plage de ce pas. Je sais même pas où il est le micro. Ça se trouve depuis le début je mets ma main sur le micro du téléphone. Ah, j'ai reçu un message. Bon, à tout à l'heure. Dans la Twingo cette fois, j'ai plus mon chapeau, il est derrière dans la Netto Twingo. Elle fait un bruit énorme. Bon, je sais même pas, je suis dehors, il y a du vent. Et il était tout petit le monsieur dans la voiture. Ouais, j'étais dehors, il y a du vent. Attendez, faut que je passe. Non, je vais pas passer à la vitesse, je vais appuyer sur l'embrayage. Ouais, dans la Netto Twingo, là je vais d'abord repasser chez moi avant d'aller chez mon ami parce qu'en me filmant, en voulant faire le malin, et ben j'ai mis. Mon pied dans une vague. Enfin, je voulais filmer une vague. Je ferme les fenêtres parce que j'ai pas la clim et je suis en train de fondre. Ouais, je voulais filmer une vague et mes pieds sont allés au fond de l'eau. Bah, je crois que je l'ai filmé de toute manière. Donc j'ai les chaussettes trempées. J'ai mes chaussures trempées. Tout est trempé. Et là, je suis dans ma Twingo. La Twingo de l'extrême. Et je sais qu'on n'a pas le droit de conduire et de se filmer en même temps. Mais c'est pas moi qui me filme. C'est ma Twingo. Non, je suis un expert, regardez, je conduis sans les mains, je suis tellement balèze, avec mes genoux, si je t'assure, regarde. Ouais, je voulais vous dire aussi que j'avais réussi enfin à récupérer mon compte Twitter, qui avait été piraté, ensuite supprimé, j'en avais recréé un autre, et j'ai réussi à le récupérer, et maintenant j'ai même le petit logo bleu, le fameux logo bleu, c'est pas facile à dire. Qui me sert pas à grand chose, mais c'est marrant, c'est des gens comme Johnny Hallyday et... ouais, c'est des célébrités généralement qui ont ça, mais moi je l'ai. Alors j'utilise jamais Twitter. Non, c'est pas moi qui me filme, c'est pas vrai, vous pouvez pas le prouver techniquement. Ouais, non, je l'ai, ça sert pas à... moi ça va pas me servir à grand chose parce que Twitter c'est pas le truc que j'utilise le plus, mais d'autres personnes auraient peut-être aimer l'avoir davantage, mais je l'ai. Incroyable. Nous sommes sur le pont de Saint-Nazaire qui a fêté dimanche. Oula, il y a du vent. C'est 20 ans. Et toujours un très beau ciel bleu. J'ai enfin changé de chaussures. Et c'est parti, moi je veux ma Red Bull. Je veux ma Red Bull. Ok. On va rejoindre mon ami qui normalement a plein de Red Bull. Il y a intérêt parce que j'ai quitté la plage moi. Et qui est-ce que je vais voir alors à votre avis? Ah mince, c'est pas le bon étage. Si.
Ouais, moi je me suis trompé d'un étage. Je me suis trompé d'un étage. Ah oui, bah en effet, mais non, c'est vrai. Mais qui êtes-vous? Qui est ce mec? Mais qui êtes-vous, monsieur dame? Je ne vous connais pas. C'est le vendeur de Red Bull. Où sont mes Red Bull? Attendez, j'ai fait bonjour toi. T'es venu voir ta Red Bull? Ouais. Moi je pense qu'il y a ce qu'il faut là dans ce jeu là. Fournisseur officiel. Voilà, donc tu choisis, il y a deux couleurs. La jaune est vachement bonne. Ouais, je vais prendre. La Contrex. Ouais. Donc voilà quoi. Ma classe. Merci Jojo. Chez moi, comme vous le voyez derrière, donc j'espère que ces quelques minutes en ma compagnie, ça vous aura fait plaisir d'en savoir un petit peu plus sur ce que j'aime faire, à savoir aller à la plage et enfin, ça dépend de l'endroit où j'habite, mais m'isoler, être tout seul dans mon coin et lire mon manga, j'aime bien, c'est pas mal, c'est sympa. Donc j'espère qu'en tout cas, ça vous aura plu. Si c'est le cas, mettez 30 000 j'aime. Non, je plaisante, c'est une blague. Ne mettez pas 30 000 j'aime. Parce que ça, c'est pas ça qu'on fera une autre vidéo comme ça, de ce style. Parce que je sais pas ce que je pourrais vous montrer d'autre maintenant. Je vais garder quand même quelques trucs secrets. Donc merci à tous. Maintenant, je vais attaquer le montage. J'espère que j'ai pas eu trop la tremblote avec ce machin. J'espère que la qualité du micro sera bien. Et puis voilà. Ciao !